Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette troisième journée du triptyque pyrénéen, les coureurs seront confrontés à un col inédit sur les routes du Tour de France. Le col de Spandel, avec une route étroite, une pente moyenne à 8% et une descente que l'on annonce technique. Ce col pourrait constituer l'épouvantail de la journée, même s'il n'a pas la renommée des cols de Biscque et d'Otacam, eux aussi au programme de cette étape. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tour avec la AG2R. Nous sommes à Lourdes et on est parti pour 142 km de course avec notamment 3 ascensions au programme. Pas des petites ascensions. Le col d'Aubisque, on finira par Otacam, mais on a la montée inédite du col de Spandel. Tous les ans, on a une petite montée inédite, on découvre de nouvelles difficultés. Le col de Spandel, première fois. On a une montée en route étroite et une descente difficile. Je ne sais pas si la descente est en route étroite, il ne me semble pas. En tout cas, une descente avec des virages très serrés et une descente très sinueuse. Allez, l'échappée qui semble partie. Et hier, je suis parti avec O'Connor. Cette fois-ci, c'est bon. On est bien avec Aurélien Paré-Peintre. Et j'ai bien l'envie d'aller dans l'échappée avec Aurélien Paré-Peintre. Alors, pas pour le maillot à poids, parce que c'est quasiment assuré, c'est quasiment fait. C'est soit Woods ou soit Lutsenko qui le remportera. Alors, si on prend tous les points de la journée, il y en a 50 à prendre. 51 même avec le 4ème catégorie. On peut voler le maillot à Woods. Bon, après... Hop, je me replace sur ma chaise. Après, bon, ça serait un peu ambitieux, mais on a une autre ambition avec Aurélien Paré-Peintre. C'est évidemment ce classement de la combativité là. J'en ai fait un objectif et on n'a pas de Franck Bonamour dans l'échappée. Par contre, on a Lutsenko hein, qui est sorti. On a Pierre-Luc Perrichon, Jonas Rutsch, Gorka Izaguirre qui sort encore. Son frère Ion Izaguirre a remporté les deux dernières étapes. Est-ce qu'il peut faire la passe de 3? Bon, je pense qu'il a accumulé un peu de fatigue et en plus. Il peut plus sortir dans l'échappée. De toute manière, s'il attaque dans le final, il sera marqué. Hein, étant donné que il est classé désormais à la 7ème position, il me semble. Il a fait un gros bond en avant. Alors, est-ce qu'ils vont nous rejoindre? Ils vont nous rejoindre. C'est parfait. On a eu cette petite bosse en plus. Très bonne. Une petite difficulté non répertoriée pour lancer l'échappée. Donc c'est parfait. Et on a l'air d'être sorti. Hein. On a l'air d'être sorti par rapport au peloton. Échappée de 7. On a Cataneo aussi. Schoenberger également. Et on a ce groupe avec Michael Honoré, Louis Penches, Michael Storer et Quinn Simmons. C'est parti pour une échappée de 11 sur cette étape. Ce fut rapide. Allez, nous sommes dans la première difficulté de la journée. On va jouer le grimpeur à écouter. Il semblerait que la roue tourne et tourne. Hein. On a eu des contrats avec Jack Egg, bon, qui est abandonné depuis longtemps dans la vraie vie. Et Camille Gradec qui veulent apparemment sortir pour nous rejoindre. Deux coureurs de la Bahrain Victorious hein, qui sortent ensemble. C'est bizarre dit comme ça, mais qui sortent ensemble, évidemment, dans la course, bien entendu. On va aller prendre le point au sommet de la côte de Péloc. Ça, c'est une bonne petite nouvelle. Si on devra jouer les points au sommet de l'Aubisque ou de Spandel, au moins, on montre à nos adversaires qu'on sera présent et qu'on est meilleur qu'eux. On est meilleur que toi, Alexei Lutsenko. Alors, du coup, comme je l'ai dit, la roue tourne à tourner. Après des mauvaises formes dans les Alpes, enfin, Ben O'Connor a des bonnes formes. On a été en hyper mauvaise forme sur l'étape de Foix. On a réussi à s'en sortir et on était en bonne forme. On a repris du temps et aujourd'hui, nous sommes encore en bonne forme. Alors, Cosnefroy Jungels, méforme totale. Nassen, mauvaise forme aussi. Il faudra compter sur Geoffrey Bouchard et sur Michael Cherel aujourd'hui. Mais je me fais pas de soucis. Bouchard a été un très bon ange gardien jusqu'à présent. Bon, il va y avoir le sprint intervenir dans quelques kilomètres également. Seulement 2 points à jouer pour le peloton avec un Nassen qui est malade en plus, qui ne peut pas sprinter à fond. Autant vous dire qu'on va pas s'arrêter au sprint intermédiaire. On va se retrouver, écoutez les amis, dans le col d'Aubisque. Le sprint intermédiaire qui est à Larens, je crois d'ailleurs au pied du col d'Aubisque. Comment est-ce que vous pensez que le mec qui habite là-bas, déjà il parvient à sa maison, de 1. Genre il grimpe sur la droite. Comment ils ont construit les haies autour. La clôture là. Le mec il avait du temps à perdre hein. Comment il rentre dans la porte? Attendez, comment il rentre là? Comment il passe la porte là? Où est la porte? Mais il n'y a pas de porte. Il ouvre les volets. Oh là là, c'est risqué d'habiter là-bas. Hein. C'est très risqué, mais il n'y a même pas de route en fait. Le mec il traverse les champs pour aller chez lui. On dirait hein. On va attaquer les pourcentages durs hein, de ce col d'Aubisque, le sommet. Et Aurélien Paré-Peintre qui fait une bonne impression. À l'avant, il est toujours avec Mattia Cataneo, Gorka Izaguirre et Alexei Lutsenko derrière. On a Honoré qui a craqué, Simon Storer assez étonnamment qui a craqué assez vite. Jonas Rutsch
Pierre-Luc Perrichon, Louis Pétiès, Schoenberger, et on a donc ce groupe de 4. On a une belle petite avance hein, sur le peloton, on a quasiment 8 minutes désormais. Évidemment, ça va rouler fort, ça va attaquer dans le final. On rappelle le classement général. 17 secondes, pardon, séparent les deux Slovènes, Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Donc il va falloir évidemment, pour Pogacar, tenter des choses aujourd'hui avant le contre-la-montre individuel où il risque fort probablement de faire jeu égal avec Primoz Roglic, à part si Primoz nous fait une petite planche des belles filles 2020. Et on est en train de lâcher Gorka Izagirre et Alexei Lutsenko et on est encore avec Mattia Cattaneo. Hein. Et on va passer au sommet, on fait partie des deux meilleurs de cette échappée. Étant donné qu'il y a de fortes chances là qu'elle aille au bout. Alors désolé, j'ai fait du bruit là. Oups, j'étais même pas concentré. Étant donné qu'il y a de fortes chances qu'elle aille au bout là, on est déjà 8 minutes 30. C'est bon signe. C'est bon signe. Et je parlais du maillot à poids tout à l'heure, que Woods était quasiment assuré de le remporter. Si elle va au bout et qu'on passe au sommet de tous les cols. Et admettons même on passe deuxième à l'ascension d'Otakam, on finit deuxième. Et bah le maillot à poids, il est pour Bibi. Hein. Le maillot à poids, il est pour Paré Peintre, le petit doublé combatif maillot à poids. Et ouais. Allez, du coup, on va bientôt se jouer le classement grimpeur. Et franchement, on tient plus que bien. Il y a la zone de ravitaillement après, c'est pour ça que j'ai pris mon gel bleu. Regardez, elle est au niveau du col du Soulor. On va prendre un petit relais à Mattia Cattaneo, qui a pas mal roulé pour le moment. Est-ce qu'il va me jouer les points grimpeurs? Il en a aucun. Donc franchement, il aurait aucun intérêt. Laisse-moi passer en tête plutôt. On s'arrange. Et donc on passerait directement 65 plus 1 étant donné qu'on est passé en tête du 4ème catégorie. Ça ferait 86 points déjà. On reviendrait quasiment... Ah ouais, Lutsenko va prendre 10 points aussi. Ça c'est un facteur à pas négliger, le fait que Lutsenko prendra des points également. Alors j'espère que Cattaneo n'est pas bête et qu'il va me laisser en tête, qu'il va me laisser en prendre plutôt des points. Il a l'air fatigué lui aussi, hein. il a l'air assez crevé. Ah il joue les points, mais imbécile. Oh. Voilà, allez hop. En plus, on va passer en tête. Tous ces efforts pour rien, Mattia, pardon. J'ai fait un mélange de Matteo, Mattia et Cattaneo. C'est pas une vraie descente. Hein, là, encore jusqu'au col du Soulor, c'est du très petit pourcentage. On a pris quasiment 10 minutes là sur le peloton en plus. Donc voilà, c'est clair qu'on passe en tête, mais aussi Lutsenko qui va prendre des points derrière. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte. Et Woods qui n'est pas dans l'échappée. Il a fait énormément d'échappées sur ce Tour de France, à mon avis, là, il est un peu sur les rotules. Et donc, il est resté dans le peloton, c'est pas étonnant. Et allez, nous, on se dirige vers la zone de ravitaillement. À l'arrière, bon, à l'arrière, tout se passe bien, même pour De Wolf, même pour Jungels qui est en méforme, même pour Nassan qui est malade, on va donner les gels à ces coureurs-ci. Et écoutez, on se retrouve dans le col de Spandel. Nous sommes à 3 km du sommet du col de Spandel. On attaque une belle portion rouge, là. Avec des pourcentages qui vont osciller autour des 8, 9, 10, 11%. On est avec Mattia Cattaneo et Lutsenko. Lutsenko qui a réussi à rentrer dans la descente. Par contre, Gorka Izagirre et Michael Storer n'ont pas réussi. Et vont se faire manger par le peloton, je pense, d'ici peu. Apparemment, il y a Yoni Izagirre qui est en train de décrocher, là. C'est vrai qu'il a fait une grosse étape hier et encore avant-hier. Il a remporté les deux dernières étapes. C'est un tour réussi, hein, même s'il accroche pas les top 10 du général final. À l'arrière... Ça sent plutôt bon. Côté O'Connor, c'est clair que comme je l'ai déjà dit à l'épisode précédent, à l'étape précédente, il n'y a pas photo. Hein. Quand tu es en bonne forme, il n'y a pas photo. Plus que 49 cours hein, dans le peloton, on a eu, ça n'a pas duré très très longtemps. J'ai pas donné, si j'ai donné son gel à Nassen, très très bien. Allez, du coup, on va pas tarder à jouer les points. Au sommet de ce col de Spandel, évidemment qu'on va les jouer. Il y a une descente technique juste après, jusqu'à Otakam. Il va falloir être attentif. Bon, en vrai, je pense que je vais simuler la plupart de la descente, donc j'aurais pas trop à être attentif. Mais évidemment, j'aime bien jouer un maximum de l'étape quand même, notamment quand je vous parle. Donc, ça veut dire que les 3 premiers kilomètres, à peu près 3-4, je risque de les jouer. Allez, ça va jouer le classement de la montagne. Là aussi, Lutsenko est encore présent. Il avait lâché assez tôt dans l'obisque. Là, il est encore présent. Donc, ça veut dire qu'il va jouer... Le classement grimpeur, a priori, allez, on est sur une pente un peu plus douce, là, on est sur du 6%, il veut attaquer, là, il craque Alexei Lutsenko sans surprise, on va essayer de faire un peu mal à Mattia Cattaneo, qui joue aussi le classement grimpeur, mais qui se met dans notre roue, l'objectif c'est pas de le distancer. C'est pas trop mon ambition pour le coup, j'ai pas envie d'aller à Otakam...
tout seul. Attaqué au Takam avec 6 minutes 29 d'avance sur le peloton. Moi, je vous le dis que c'est quand même évidemment bon signe. Mais ça ne veut rien dire. Parce qu'un peloton qui arrive à toute allure avec des trains jumbo, des trains Bora, en veux-tu, en voilà. Moi, je te dis que ça ne veut rien dire. O'Connor, c'est top. On va devoir le donner à Chérel. J'ai bien envie que Bouchard réussisse à passer au sommet sans le consommer quand même. Ça pourrait être pas mal. Et nous, on va rester avec Aurélien Paré-Peintre qui montre qu'il est a priori le meilleur élément de cette échappée. Luchenko qui craque à chaque fois sur le... Ouh la vache. Luchenko qui craque à chaque fois. J'ai failli emmener Cataneo dans le fossé là. Luchenko qui craque à chaque fois sur le sommet des cols. Et Cataneo qui bloque un peu à chaque fois au sommet aussi. Enfin, qui bloque là, qui a bloqué au sommet. Donc, c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on peut aller la chercher, la troisième victoire de la AG2R Citroën Team sur ce Tour de France? On a remporté l'étape 4 avec Oliver Neyssen. L'étape 6 à Longwy avec Ben O'Connor. Deux étapes de vallon pour le moment. Est-ce qu'on peut aller remporter une belle victoire sur cette étape de montagne? Mon objectif, c'était un top 5. Enfin, c'était... Un top 5, c'est un peu dur, mais mon objectif, c'était un podium quand même avec Ben O'Connor. On va dire ça si on était ambitieux. Ah, bon, Luchenko qui prend la tête du classement de la montagne. Nous, là, on a fait 10 plus 20 plus 1, donc ça fait 31. Et donc là, on remonte, 31, on passe à 96 points. Ouais, ça peut sentir bon. Ça peut sentir bon. Après, évidemment, Luchenko, il a pris aussi ses points derrière nous, donc... Est-ce qu'il faudra repartir en échappée sur l'étape juste après? Je sais pas. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le classement du super combatif, ça sent bon. Après, le bailleur poids, c'est autre chose, on va bien voir. Parce que Luchenko, je pense que Storer et Izaguirre vont peut-être se faire reprendre par le peloton. En ce qui concerne Luchenko, c'est pas aussi sûr. Donc, ouais, je pense qu'il prendra des points aussi à Otakam si jamais l'échappée va au bout. Et donc, bah, potentiellement, il deviendrait le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Nous sommes dans la montée vers Otakam, les amis. Une attaque de Matcha Cataneo qui a compris qu'il n'était pas le plus fort de cette échappée. Et il attaque. Est-ce qu'on va se jouer cette victoire à 3? C'est possible, on a 5,45 d'avance sur le peloton. Alors évidemment, il faudra faire attention à Ben O'Connor. Mais pour le moment, tant qu'on est dans l'ascension avec Aurélien Paré-Peintre, on va s'occuper d'Aurélien Paré-Peintre et une nouvelle attaque de Matcha Cataneo. Alors je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. C'est plutôt Luchenko qui devrait attaquer par exemple, mais Matcha Cataneo, il fait jeu égal avec nous. Il a fait jeu égal avec nous sur les deux grosses ascensions. Donc je comprends pas trop sa stratégie de vouloir nous attaquer. Ah, oula. C'est déjà mort, hein. C'est déjà mort pour Alexei Luchenko. Ça, c'est potentiellement bon signe. 20 points, ok. Non, je me suis dit, il va me dire qu'il y a point doublé là ou quoi? Non, seulement 20 points. Luchenko qui craque déjà, ça c'est bon signe parce que ça voudrait dire que même si nous on va au bout, il a de grandes chances de se faire rattraper par le peloton et donc par conséquent de ne prendre aucun point au classement de la montagne. Pour l'instant, ça se passe bien avec Aurélien Paré-Peintre. On va passer sur Ben O'Connor, comme vous le voyez, j'ai raté, j'ai préféré garder le gel avec Bouchard, mais au final il ne réussira pas à rentrer dans le peloton de 42 qui attaque Otakam à son tour. On va laisser Paré-Peintre faire son truc et on va gérer notre ascension avec O'Connor. Cataneo qui est repassé à l'offensive alors que j'étais sur Ben O'Connor, que je contrôlais Ben O'Connor. Donc évidemment, on va refaire la jonction parce que si on le laisse partir, il peut aller très loin l'Italien. Ouais, en vrai, ça va pas rouler. Hein. Là, c'est parti sur du 50 jusqu'au sommet. Évidemment, avec 5 minutes d'avance à 8 km du sommet, ça commence à sentir quand même assez bon pour les deux coureurs. Et moi, je la sens vraiment venir là. La petite victoire, la première d'Aurélien Paré-Peintre. On n'aura pas eu réussi avec Benoît Cosnefroid. Il reste quand même une étape pour l'échapper peut aller au bout. Mais pour l'instant, on n'aura pas réussi avec Benoît Cosnefroid. Est-ce que pour Aurélien, ça peut le faire, cette première victoire sur le Tour de France? On va bien voir. On va repasser sur O'Connor pendant ce temps. Et on va le laisser se gérer à l'avant. Est-ce que... Ça roule très très fort là. Ça roule très très fort avec la Ineos Grenadier. Martinez qui met un tempo de fou apparemment pour Thomas qui est 10e, c'est ça? Pour Thomas qui est 10e. Pour Damiens qui est 9e aussi, yes. 9e et 10e, la Ineos c'est vraiment un flop. Hein. Flopesque dans le jeu en tout cas. Je sais pas ce qu'il en est de la vraie vie puisque j'enregistre avant cette étape notamment. Avant la montagne même de manière générale. Mais dans le jeu, très flopesque. Très flopesque. Et Cataneo qui attaque encore, mais c'est pas possible. Mais aussi, si Aurélien Paré-Peintre, il se laisse faire, c'est impossible. Hein. Si Aurélien Paré-Peintre, il se laisse faire, forcément qu'il va se faire bouffer. Et là, j'ai bien peur que l'intelligence artificielle nous prive d'une victoire d'Aurélien Paré-Peintre.
Allez, il est rentré. Et on va laisser pareil peintre. On va lui donner son gel bleu. Relier l'effort. Ouais, ok, 50. Là, c'est mieux. Plutôt que de relier 50, moi, je vais juste lui dire suis les attaques en fait à chaque fois. Hein. Tout simplement. Comme ça, il les suivra à chaque fois. Cataneo va continuer de se cramer. Et lui, il est tranquille, il prend aucun relais. Voilà, voilà. On va rentrer sur Lutsenko, ça c'est une autre bonne nouvelle. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que ça attaque très très fort. Donc je serais pas très confiant à la place des hommes de tête, des deux hommes de tête de l'italien et du français. Je serais pas très très confiant. Je suis pas très confiant pour rien pareil peintre, encore moins pour Cataneo. Bon, en tout cas, le point positif, c'est que Lutsenko ne prendra pas de points pour la montagne. Ça c'est quasiment sûr, il était mort déjà dès le pied de Otakam. Donc on va le rattraper a priori. Je sens bien une petite attaque de Ben O'Connor à titre personnel dans cette ascension. Ils sont toujours pas aux 5 km. Ils ne sont toujours pas aux 5 km à l'avant. Ou alors ça ne s'affiche pas peut-être. Mais en tout cas, ils ne sont toujours pas aux 5 km. On a Lutsenko juste devant nous et j'ai vu pareil peintre à l'avant. Je pense qu'il est en train de suivre les attaques, ça y est. 5 km. 5 km, alors c'est pas affiché mais ça nous a été annoncé par Patrick Chassé. Ça y est, c'est affiché. 5 km. 36 coureurs encore dans ce peloton, assez bien fourni, assez bien garni. L'échappée qui augmente le rythme. Ouais, pareil, peintre va se replacer un peu au classement général, mais bon, ça c'est secondaire. C'est notre deuxième meilleur coureur, notre deuxième coureur le mieux classé, après Ben O'Connor qui est troisième. L'objectif aujourd'hui surtout, c'est de faire attention à Alexander Vlasov. Hein. Je fais une énième pause, une dernière pause. Mais le petit point sur le classement général, on a une minute tout pile d'avance sur Vlasov. Il faut le tenir un maximum à distance avant le contre-la-montre final, donc où, a priori, il est un peu plus à l'aise que nous. Et donc, on devrait perdre quelques secondes, voire minutes, sur les 40 km qui composent le parcours. Allez, 4 km hein, pour l'échapper encore. Nous, on est là dans le peloton, on est présent. On attaquera peut-être dans le final, comme je l'ai dit. Mais là, j'ai aussi pas envie de détruire en fait les chances de victoire d'Aurélien Paré-Peintre. Est-ce qu'on tente un truc à l'avant, là? Il a une belle barbelée. Écoutez, on va tenter le panache. On va tenter le panache avec Aurélien Paré-Peintre qui attaque son compère d'échappée, Mattia Cataneo, à 3 km 500 du sommet. Est-ce qu'il peut aller chercher une victoire d'étape française? Et on le voit, Cataneo est mort. Ok, on le voit à droite. Cataneo, il est mort, c'est parti. On va contrôler à 80. C'est parti. Et il faut aller vers le sommet, mon petit Paré-Peintre. Romain Bardet qui est distancé derrière, qui n'est pas bien depuis quelques jours. Romain Bardet qui va perdre son top 5. Qui va perdre son top 5 et l'attaque de Primoz Roglic. On y va. On y va avec Ben O'Connor. On va passer... il est intense hein, ce final d'étape. On va passer par Epata à 90 et moi je vais suivre. Je vais suivre le maillot jaune. Je me sens en forme avec Ben O'Connor. Donc on va suivre le maillot jaune. Évidemment ça suit Dylan Tuns qui est encore présent. Adam Yates qui est là. Pogacar ne réagit pas. Pogacar ne réagit pas, Pogacar qui laisse partir Primoz Roglic faire son premier Tour de France là. Hein. C'est à lui de rouler, c'est pas à moi, c'est à lui de rouler. C'est à Tadej Pogacar de faire l'effort. Oh ça serait énorme. Ça serait énorme pour Aurélien Paré-Peintre. Allez Aurélien. Le maillot jaune qui se rapproche évidemment et ça va le faire. Hein. Ça va le faire, elle est énorme celle-ci. Elle est vraiment énorme celle-ci, s'il va la chercher elle est énorme. On aura réussi à contrôler nos deux coureurs, Aurélien Paré-Peintre et Ben O'Connor, assez parfaitement, assez, j'ai pas d'adverbe, hein, désolé, assez bien, hein, c'était bien aujourd'hui, on s'est bien débrouillé, on va dire ça comme ça, et Pogacar qui roule, évidemment, Pogacar il est obligé de rouler sur Roglic, mais il n'arrive pas à refaire son écart, le peloton là qui perd du temps, le peloton qui perd du temps sur Primoz Roglic, et ouais, alors il en perd pas non plus des minutes, mais... Le peloton qui perd du temps sur Roglic et Paré-Peintre qui se... Franchement, ça me fait trop plaisir. Paré-Peintre, ah, va falloir décélérer un peu. Qui se dirige vers une potentielle victoire d'étape et un maillot à poids. Un maillot à poids pour Paré-Peintre. Allez, on va attaquer. On va attaquer les amis, c'est maintenant. On va attaquer avec Ben O'Connor. Il nous faut reprendre du temps sur le Russe. Et pourquoi pas sur Tadej Pogacar. De toute manière, on est trop loin de l'arrivée pour reprendre du temps sur Aurélien Paré-Peintre. Alors attention à Primoz Roglic derrière, mais je pense que ça va le faire quand même. Allez Aurélien, ça va le faire. Et nous on attaque en plus le groupe de derrière. Oh masterclass, AG2R masterclass aujourd'hui les amis. Victoire d'Aurélien Paré-Peintre à l'avant. Mais je suis trop content comme si c'était la vraie vie. Il va s'imposer devant Primoz Roglic. Et regardez cette étape de folie qu'on est en train de faire avec Ben O'Connor. On va venir chercher la troisième place. Victoire d'Aurélien Paré-Peintre à l'avant. Oh c'est trop bien.
c'est trop trop bien. Et on va venir faire la troisième place avec Ben O'Connor juste derrière Primoz Roglic. Et on a relégué. Alors écoutez, j'ai déjà eu des bugs de sauvegarde sur le jeu. Sur ce jeu, j'ai déjà eu des bugs de sauvegarde. Pendant cette sauvegarde de Tour de France, j'ai déjà eu des bugs de sauvegarde. Alors aujourd'hui, vu l'étape que j'ai faite, voilà, je prends pas ce risque. Je prends pas ce risque du tout. Oh là là, quelle satisfaction. Troisième victoire d'étape pour la G2R Citroën Team avec la victoire de Aurélien Paré-Peintre au sommet d'Otakam. On a géré ça d'une main de maître. L'attaque sur Mattia Cattaneo à 3 km 500 du sommet qui nous permet d'aller chercher la victoire. Et derrière, O'Connor qui vient finir à 43 secondes du vainqueur Aurélien Paré-Peintre et Primoz Roglic qui semble asseoir sa domination sur le Tour de France et sur Tadej Pogacar qui va devoir céder son premier Tour de France. Il me semble que c'est sa troisième participation, ça serait la première donc où il ne remporterait pas le Tour de France. En tout cas, c'est la première fois que Primoz Roglic, lui, va remporter le Tour de France. Elle est belle, cette victoire, elle est vraiment belle, très 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 content. Avec Bob Jungels, à vrai dire, je roule dans le vide, hein, mais c'était surtout pour parler, on va simuler. À vrai dire, Bob Jungels qui fasse 63e ou 62e, ça ne m'intéresse pas trop. Oh là là, vraiment, je suis super content. Je suis super content de moi. Je vais vous le dire, je suis content de moi parce que j'en ai fait des étapes où j'ai été mauvais. L'Alpe d'Huez, on perd du temps. Le col du Granon, on s'en est bien sorti. Mais là, on finit deuxième derrière Roglic, quoi. On vient chercher l'étape avec Paré-Peintre, l'échappée qui va au bout. On va prendre le maillot à poids. Mais c'est légendaire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est légendaire. Franchement, trop content, quoi. C'était dur hein, sur le final avec Paré-Peintre parce que là il était mort, de chez mort et il sentait Primoz Roglic qui attaque, Même moi j'ai eu peur à un moment, pour tout vous dire j'ai eu peur à un moment. Le mec il continue d'attaquer comme un fou. J'ai cru qu'il allait revenir, hein. J'ai vraiment cru qu'il allait revenir et là il est très proche. Il est très proche mais non, c'est la première victoire d'Aurélien Paré-Peintre sur le Tour de France. Et quelle victoire, il ne lève pas les bras. Il est si humble, il est si modeste. Victoire d'Aurélien Paré-Peintre, sa première sur le Tour de France. Et Primoz Roglic qui vient chercher la deuxième place. Et très très grosse étape de Ben O'Connor qui vient prendre la troisième place, qui prend des bonifs en plus. Là on a mis Alexander Vlasov très très loin. Pogacar qui vient chercher la cinquième place derrière Mattia Cattaneo. Où est Vlasov? Oh là là, défaillance fringale d'Alexander Vlasov qui va céder au moins 2 minutes je pense sur Aurélien Paré-Peintre. Et quasiment 1 minute 30 sur Ben O'Connor. Étape de légende. Franchement, étape de légende. Je suis trop content. Quelle victoire de Paré-Peintre au sommet d'Otakam. Ah, je suis obligé, Habituellement, je passe les podiums, mais là, c'est impossible. Je suis obligé de les laisser. Victoire héroïque. Victoire de prestige. De rien paraît pas trop au sommet de cette ascension terrible d'Otakam. Et regardez le cadeau. Il est là le cadeau. C'est ce maillot à poids le cadeau. En plus qu'on vient voler à Michael Woods sur cette dernière étape de montagne. Et j'y croyais même pas. Je vais vous le dire. Mais non. On vient lui voler ce maillot à points. On était à 40 points. Je me suis dit, c'est impossible qu'on passe en tête de tous les classements grimpeurs de la journée. Et paf, Obisque. Déjà, on prend le quatrième catégorie hein, du début d'étape. Ensuite, Obisque. Ensuite, Spandel. Et on vient s'imposer devant Primoz Roglic et tous les favoris. C'est énorme. Franchement, c'est tout ce que je souhaite à Aurélien Paré-Peintre dans la vraie vie. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. Énorme. Et ouais, troisième victoire d'étape de la G2R Citroën et quelle victoire d'étape d'Aurélien Paré-Peintre aujourd'hui en 4h01 et 49 secondes, juste devant Primoz Roglic. Ben O'Connor qui termine du coup troisième, lui aussi a fait une très très grande étape. On reprend 20 secondes, même 24 à Tadej Pogacar, Henrik Maas en 1-8, Caruso Woods et donc notre principal adversaire Alexander Vlasov qui, c'est bien ça, concède 2 minutes 7 à Aurélien Paré-Peintre. Derrière, où est David Gaudu par exemple à 2 minutes 20? Oh, vraiment on a été trop fort. Et c'est là que je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher mieux qu'un podium si on avait eu des bonnes formes dans les Alpes? Dans les Alpes, les amis, on s'est tapé deux mauvaises formes, une forme normale au col du Granon, où comme par hasard, on a réussi à suivre les favoris, tu vois, et à l'Alpe d'Huez, on était malade. Voilà, il y a une maladie qui est tombée sur nous.
Bon, Bardet qui a craqué sur cette fin de tour avec la maladie en plus. Ça faisait quelques étapes qu'il n'était pas bien alors qu'il avait fait une très grosse étape du col du Granon. Donc ouais, bien tristouné l'état de Bardet qui mérite mieux, qui méritait mieux, qui ne risque pas d'aller chercher le top 5 du général, je pense. Est-ce qu'on a eu des hors délais? Pas de hors délais. Groenewegen qui finit dans les temps, qui pourra faire le sprint massif des Champs-Élysées. Est-ce qu'on a des chutes? On a Duchesne qui se remet de sa maladie aussi. Kurt Nielsen qui est malade, oh non. Oliveira qui est mort. Nelson qui est malade. Chris Hamilton qui est très malade, dis donc. Et ça semble être tout. Yannis Aguirre qui était malade aujourd'hui. Après avoir gagné deux étapes, il a trop... Il a voulu fêter ça un peu olé olé. Voilà. Ça se contamine rapidement. Hein. C'est terrible, Yannis Aguirre, t'as fait des erreurs. La combativité de l'étape, elle est évidemment pour cet homme, et franchement trop content pour Paré Peintre. Alors je sais, c'est qu'un jeu, voilà, mais je me suis vraiment cru dans la vraie vie sur cette étape, c'était incroyable. Paré Peintre qui s'impose du coup, et il se place, bon il se place 26ème, au général il prend une place, mais bon, c'est dérisoire. O'Connor, on est quasiment assuré de finir 3ème en fait, puisqu'on n'ira pas chercher Pogacar, et Vlasov n'ira pas nous chercher, et Bardet qui cède une place à Henrik Maas, Godu qui en reprend une à Adam Yates, et Yannis Aguirre qui perd 3 places aussi aujourd'hui, qui devrait quand même aller chercher ce top 10 du classement général. Et voilà pour la suite, Guillaume Martin seulement 19ème. Et la lanterne rouge, tiens, Cyril Lemoine. Très bien, très bien. Le précédent baroudeur, le précédent combatif. On est du coup le maillot à poids de ce Tour de France. Et c'est sûr qu'on est le maillot à poids puisqu'il n'y a plus assez de points pour Michael Woods pour nous rattraper. Et ça, c'est quand même... Hein, c'est énorme, c'est énorme. Lutsenko qui manque la première place pour un point. Et ça, c'est super parce que franchement, je m'attendais pas du tout à prendre tous les points aujourd'hui. Et bah, ça veut dire que si on... Ouais, si ça se joue à 9 points, hein, c'est pas tant que ça. Le maillot vert, Wood Van Aert, a priori, devrait le garder. Le meilleur jeune, c'est Tadej Pogacar. L'équipe, c'est la Jumbo-Visma. Et le combatif, c'est Aurélien Paré-Peintre. Et ça, c'est pareil, on est quasiment sûr de le garder. Puisqu'il y a, entre Bonamour et nous, il y a 270 km. 260. Oh là là. Oh, les maths, mathématiques. 262 km. Si on cumule l'étape de Cahors et l'étape des Champs-Élysées, bah ça fait presque 260 piles. Hein. Donc il faudrait qu'il fasse tous les kilomètres de Cahors et des Champs-Élysées. Bon, c'est quasiment impossible. Étape héroïque, les amis, aujourd'hui. Donc du coup, ça fait pas... Ouais, ça fait pas 260. Donc on est tranquille. Étape héroïque, les amis, de notre Paré-Peintre national aujourd'hui qui s'est imposé à Otakam. C'en est fini pour ce triptyque pyrénéen qui s'est très bien passé pour la G2R Citroën Team avec cette victoire d'étape du coup d'Aurélien Paré-Peintre. Et puis c'est bon, voilà, c'est bon, c'est bonnes opérations de Ben O'Connor au classement général. On se retrouve dès demain les amis, le Tour de France n'est pas fini, on se retrouve dès demain pour une étape de plaine, a priori entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Est-ce que les sprinteurs seront assez en forme pour faire rouler leurs coéquipiers? Telle est la question, telle est la question, on est en fin de tour, on verra bien. On se retrouve très bientôt, les amis, du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager. Merci beaucoup de regarder mes vidéos Tour de France encore, voilà. Moi, j'ai arrêté le jeu pendant quasiment un an et demi et de réussir à avoir ces vues. Alors, c'est pas des vues qui sont évidemment au niveau de mon nombre d'abonnés, c'est logique. Mais voilà, réussir quand même à avoir ces vues après avoir arrêté le jeu pendant tant de temps, c'est juste formidable pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup, on se retrouve très bientôt, à demain, les amis. Salut à tous.